Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Entreborn. Dans cette vidéo, nous allons entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Franchement, ça fait peur, honnêtement, ça fait peur. Ici, nous allons entendre un rappeur américain qui va clairement dire à ses fans qui sont en route pour l'enfer. À cause de quoi et pourquoi, nous allons tout découvrir ici. Soyez prêts. Franchement, c'est grave. Et on se souvient que dans la vidéo précédente, la vidéo de type de mariage puissant, nous avons découvert un ex-sataniste qui nous a expliqué que lui, il a connu un bar. Et dans ce bar-là, à partir de minuit, les gens font du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir de minuit, ces gens-là n'offrent plus de la vraie boisson ou encore de la bière. Ils n'offrent plus de la bière aux gens, mais ils offrent plutôt des choses envoûtées, comme du sang humain, les deux pareils. Et certains le savent et d'autres ne le savent pas. Pour ceux qui ignorent de telles choses, s'il vous plaît, faites attention à vous. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous pensez. Je vais nous lancer de pouvoir ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Dès que vous aurez appris quelque chose, à la fin de cette vidéo, laissez un j'aime pour nous en informer. Maintenant, nous allons tourner la caméra. Regardez ça! Comme vous le voir ici, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Et la chose se passe sur le cran. On voit clairement des gens qui sont à un concert. Un concert. Et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment chauds. Et à ce concert, on peut voir clairement l'artiste qui saute sur ses fans. Et ils sont tout simplement en train de se faire plaisir, de s'amuser, comme on le dit, sans jaillir. Mais le problème, c'est ce que cet artiste-là va dire à un moment donné. Déjà, quand on lit ici, ça nous donne des informations. Qu'est-ce qu'on voit? On voit fans des fans en route pour l'enfer. Pourquoi et comment ça? Quel est le problème avec cette situation? Quel est le problème avec le fait que ces gens viennent à un concert d'une personne qu'ils aiment? Nous allons tout découvrir ici. Soyez vraiment prêts. Ça risque de vous étonner, mais nous sommes là pour découvrir des choses. Nous sommes là pour apprendre. Et ce que nous allons voir par la suite, ça va vraiment vous étonner. Comme on l'a dit, âme sensible, veuillez vous abstenir. Ce que nous allons voir, c'est maintenant ça. En plein concert, comme vous pouvez le voir, en plein concert, cette star n'a pas manqué de dire ouvertement à ses fans qu'ils n'iront pas au paradis, en fait. Qu'ils n'iront pas au paradis. Cette star va nous dire clairement que vous êtes arrivé ici. Ne pensez pas que vous allez vous envoler au paradis après. Parce que ici, vous êtes dans un autre monde. Il lui-même est là. C'est ça, elle-même est là. Elle va bien nous expliquer ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Et nous allons essayer d'analyser ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ici, juste en bas? Déjà, en haut, on voit. L'une vous avait dit à ses fans qu'ils vont aller en enfer. Vous pouvez penser que ce sont des histoires, que c'est de la blague. Mais quand nous allons lire ces propos, vous serez surpris. Déjà, on peut voir juste ici que c'est là que se tient le concert. Et c'est là même qu'il va raconter des choses. Déjà, il dit, laissez-moi vous dire quelque chose vite fait. Avant que vous commenciez à crier. Hein? Comme je vous ai dit plus tôt, comme vous voyez, il est ici, il est juste là. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus tôt,
bande de fils de PUTE, vous êtes entré là. Et personne ne va s'envoler au paradis ici. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte que le monsieur devait dire à ses fans à un moment donné que tous ses fans vont le suivre en enfer? Pourquoi? Il doit sans doute avoir une raison. Écoutons, allons-y par la suite pour bien découvrir ça. Il dit donc, c'est parti. Et il y a quelqu'un qui a crié dans la foule. Alors il lui dit, oh, vous êtes déjà là. Il dit, je suis tellement désolé, vous ne pouvez pas partir. T'es bloqué, c'est fini. T'as écouté ce son 1 million de fois. Et tu ne le savais pas. Tu ne le savais même pas. C'est totalement fou. Mais je vous aime quand même. N'oubliez pas. Vous m'aimez toujours. Vous m'aimez, c'est la raison pour laquelle je vous aime. Vous ne me jugez pas. Je vous aime. Comme vous pouvez le voir et de découvrir avec nous, c'est même clair. Et quand on découvre ça, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais qu'est-ce qui est passé dans sa tête pour qu'il parle ainsi? Est-ce que c'est encore un truc juste pour faire le buzz? Ah, ça, c'est vraiment compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez savoir un truc, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que sur la terre ici, il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Il faut carrément éviter. Comme chez les féticheurs. Voilà, chez les médiums. Dieu lui-même interdit aux gens d'invoquer, de consulter les gens qui invoquent les gens qui sont morts. Donc, quand vous arrivez sur quelqu'un qui prétend parler aux personnes décédées, déjà, vous êtes dans les problèmes en même temps. Tant que vous ne vous êtes pas repenti, vous risquez de ne pas aller au ciel. Voici le problème de cette affaire. Donc, il y a des endroits comme ça. Quand vous êtes aussi dans les églises de Satan, déjà, là-bas encore, il y a un problème. Parce que dès que vous arrivez dans des endroits, dans le monde des ténèbres, les démons écrivent votre nom là-bas et ce que vous êtes allé chercher. Par exemple, dans ce cas ici, dans ce cas espèce, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont venus à un concert. Maintenant, la personne qui est en train de chanter là, quel est son état d'âme? Peut-être que cette personne a fait un pacte avec le diable. Du coup, le diable lui a dit que toutes les personnes qui vont te suivre vont directement m'appartenir et ces personnes ne vont même pas aller au ciel parce que ces personnes-là te suivent et ça fait partie de ton contrat. Vous n'imaginez pas quelle patte hors du commun les gens sont en train de faire pour juste avoir de la gloire et avoir beaucoup de fans. C'est exactement le problème. C'est pourquoi il faut faire très attention. Vous aimez les concerts, c'est pas mauvais d'aimer les gens, mais avant d'aimer les gens, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire très 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 attention. Parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de toucher aux interdits et qui sont en train de compliquer la vie de beaucoup de personnes à cause de ça. Faites très attention. Combien de jeunes stars décèdent? Combien? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parmi les endroits qu'il ne faut pas fréquenter, il y a aussi des maisons de production des films X. Du genre, une fille se lève, elle dit, oh, je veux tourner un film X, je veux devenir star du X. Et elle va fréquenter un tel endroit. Ce sont des endroits qui appartiennent déjà au diable. Là même, c'est même clair. Donc, quand toi, tu arrives là, tu dois maintenant savoir ce que tu es venu chercher. Et ne sois pas étonné que là-bas, on te dise que tu es arrivé ici. Ne pense pas que tu vas t'envoler pour aller au paradis après. Tu vas donc suivre les gens là-bas directement en enfer. Genre pour dire,
que le diable a tellement organisé la société de ce qu'il a prévu déjà les gens aller directement en enfer là-bas avec lui. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu a bien parlé de ça, non? Pour dire que le diable est là et il cherche les gens qui vont l'accompagner en enfer là-bas. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire de faire très attention à là où tu mets les pieds. Le monde dans lequel tu te trouves n'est pas celui que tu crois. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et quand des stars comme ça viennent pour vous parler ouvertement de cette affaire d'enfer, même si vous doutiez, maintenant il faut croire que Dieu existe. Vous devez suivre le bon chemin et faire de foi sur vous pour abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui va vraiment vous mettre votre santé spirituelle en danger. Parce que quand vous allez souvent dans certains concerts, vous allez pour corrompre vos âmes. Est-ce que vous imaginez que souvent il y a des clips qui sortent ou on voit des filles qui montrent les faits. Souvent, on va prendre même des filles qui font c'est-à-dire on prend des artistes du X pour venir faire des clips pour vous montrer cela. Et vous, ça ne vous dit rien. Vous vous dites que c'est la fête, c'est le show. C'est pas pour rien. Le diable cherche des âmes. On nous dit qu'il veut gagner des âmes. Comment va-t-il faire? Il va tout mettre en œuvre pour avoir les gens. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Lui, il s'en fout. Faites très attention quand même à vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut absolument que je vous en parle. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo demain. Tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Et si tu penses que nous avons bien fait de faire cette vidéo, un seul j'aime suffit. Maintenant, réfléchis. C'est à toi de jouer. C'est parti.